Bonjour à toutes et à tous. Je suis Tim de Space News. J'ouvre la 24e visioconférence de la série Les Galactiques 2024. Je rappelle à toutes fins utiles que toutes les informations que je présente sont strictement et exclusivement de sources extraterrestres. Elles me sont transmises noir sur blanc, en live, à l'écrit et en audio par mon principal contact extraterrestre Zen depuis le début de l'année 2016, c'est-à-dire 8 ans. Je les ai enregistrées et ce que je partage reflète au détail près ce qu'il m'a transmis. Pour preuve, vous pouvez entendre la voix de Zen en train de me parler dans la vidéo 115 publiée en 2023. Et vous pouvez retrouver une partie des informations que je vais fournir aujourd'hui dans mon livre Premier Contact. Dans leur relation avec notre planète, les extraterrestres utilisent une structure de type pyramidal qui a été appelée tour à tour le Haut Conseil Andromédien, puis la Fédération Unie des Planètes, qui s'est dissoute en 2018-2019 pour recomposer l'Alliance des Sphères Bleues et finalement la Fédération Galactique des Mondes. Sur Terre, la Fédération Galactique des Mondes est un concept qui a été maintes fois mentionné dans des contextes ufologiques. Elle est présentée de plusieurs manières. Certains la présentent comme quelque chose de lumineux, une grande fédération de civilisations, d'univers multiples, de galaxies et de planètes, travaillant à la réalisation de l'existence harmonieuse de toute vie. Ils insistent sur le fait que c'est une civilisation galactique de lumière, d'amour et de service, constituée de nombreuses civilisations intergalactiques qui se sont réunies pour ne faire qu'un. Leur mission serait de protéger et d'éclairer les autres civilisations ainsi que de les aider dans leur ascension spirituelle et pour les libérer de leurs oppresseurs. Ces présentateurs qui insistent sur le fait que l'humanité va être libérée de manière imminente ne le font que pour les likes, être connus, acquérir une certaine notoriété, et d'autres, de manière plus sombre, disent que les groupes qui soutiennent la Fédération Galactique de Lumière sont des agents rémunérés par certains organismes terrestres qui diffusent de la désinformation ou orientent l'opinion des populations dans des buts donnés au travers de programmes, par exemple le mouvement New Age des années 60 jusqu'à nos jours. De plus, il y a aussi certaines lignées extraterrestres qui ont quitté la Fédération et, en se positionnant comme lanceurs d'alerte extraterrestres, divulguent des informations contre la Fédération en disant que ce sont tous ses membres qui initient, organisent, participent et contrôlent tout le chaos sur Terre. La nature de la Fédération. C'est un consortium composé d'élites terrestres et extraterrestres qui gouvernent notre planète selon certaines directives dont j'ai parlé la semaine dernière, avec des programmes préétablis et des buts spécifiques. La structure de cet organisme est similaire à celle de la société terrestre qui s'étage en pyramide comme le graphique que vous voyez derrière moi. Les structures gouvernementales et de pouvoir sur Terre sont organisées de la même manière en forme de pyramide. Ce qui est visible se trouve à la base de cette pyramide et l'invisible et ce qui est oblitéré, c'est-à-dire tout ce qui est extraterrestre, se trouve tout en haut de la pyramide.
Les structures terrestres sont des copier-coller de celles qui existent hors planète et qui sont celles de certaines sociétés extraterrestres. Elles ont tout simplement évolué ici sur Terre depuis leur mise en place d'une manière qui lui est propre. La Fédération a trois rôles principaux. Réguler les relations et les accords entre diverses lignées extraterrestres et la Terre. La Terre n'est pas une planète indépendante, c'est une planète fortement réglementée à l'intérieur de la zone spatiale où elle se trouve et qui est contrôlée par la Fédération galactique et sous sa surveillance étroite. C'est la Fédération galactique elle-même qui contrôle dans les coulisses les structures de gouvernance et de pouvoir sur Terre. Son second rôle est de réguler les vols des lignées interstellaires qui évoluent en orbite et entre une partie de l'espace et la Terre. Et son troisième rôle est d'aider les Terriens et les sociétés dans leur évolution collective et individuelle. Alors, qu'en est-il exactement? Permettez-moi de vous faire part de ma propre expérience dans mes relations avec ce consortium. J'ai commencé à être en contact frontal avec la Fédération galactique depuis le début de l'année 2016, lors de mes premiers contacts, grâce à certains de ses membres terrestres et extraterrestres, et surtout grâce à Zen. Il faut dire que les choses ont beaucoup changé en 8 ans, mais voici ce que j'ai pu remarquer. Premièrement, la Fédération est véritablement le contrôleur de la Terre. Le système solaire Sol 13, où se trouve notre planète, est situé dans un quadrant de la galaxie qui est dominé par la Fédération galactique. C'est une zone spatiale à fort trafic extraterrestre où évoluent des milliers de vaisseaux spatiaux et tout pilote qui consulte son tableau de navigation, comme Zen par exemple, peut voir où se situe la Terre, elle n'est pas cachée. Donc, lorsqu'un organisme terrestre gouvernemental dit qu'il ne veut pas envoyer de signaux ou de messages parce que cela pourrait attirer l'attention de lignées régressives et que nous risquerions d'être attaqués, c'est de la désinformation. La Terre est visible, donc tout groupe extraterrestre mal intentionné qui voudrait la cibler et l'attaquer pourrait le faire ouvertement et en quelques heures. Mais comme c'est la Fédération qui contrôle toutes les communications et tout ce qui se passe autour de la Terre et sur Terre, ça n'est pas possible. De plus, mes contacts directs avec Zen, les Andromédiens, les Pléiadiens et d'autres lignées sont la preuve incontournable que les contacts et divulgations sont gérés et autorisés par la Fédération galactique qui en a la responsabilité.